Cole Roger, le roi des pirates, est parvenu au sommet. La richesse, la gloire et la puissance, tout lui a appartenu. Ces derniers mots ont inspiré des aventures dans le monde entier. Mon trésor ! Eh bien, il est là où je l'ai laissé. Cherchez-le ! Mais il faudra fouiller le monde entier ! Et bienvenue à toutes et à tous. Voilà, je cherchais le bouton. Voilà, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle série sur One Piece Treasure Cruise. Comme vous le voyez là-bas, en fait, bah, c'est en plein milieu de l'écran et en bas à gauche. Donc c'est un jeu Android et vous voyez qu'il y a ma souris qui passe dessus tout simplement parce que, comme je l'avais expliqué dans la vidéo de bonne année, ouais, de setup 2017, voilà, j'ai trouvé un émulateur Android et ça, il fonctionne très bien. Enfin, il fonctionne très bien, le jeu fonctionne, ça a téléchargé les premières données, j'ai pas rien commencé, j'ai juste lancé le jeu parce que je savais que ça allait télécharger des données, du coup j'ai fait ça. Bah du coup, bon, on va tout de suite commencer. Donc vous voyez en bas à gauche hein, qui est disponible sur Android et sur iPhone. Les autres, je sais pas si. Bon, en général, c'est plus Android. C'est plus Android qu'il y a sur les téléphones d'autres marques. Voilà, il va y avoir pas mal de changements dans le jeu, mais j'essaierai de les couper au montage. Parce que c'est quand même censé être un jeu en. Voilà. Un village de pêcheurs. Voilà un an qu'un navire de pirates y mouille. Non, un village de pêcheurs. Voilà un an qu'un navire pirate y mouille. Le vent souffle de l'est, le village est un lieu extrêmement paisible. Bon, les répliques seront pas exactes et les tronches de certains personnages ne le seront pas non plus, je pense. C'est déjà la première réplique de Cole Roger là. Vous devrez fouiller partout dans le monde, c'est non. Non, c'est. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde, trouvez-le! Mais c'est ça, normalement. Bon bref, emmenez-moi à bord de votre navire. Moi aussi, je veux devenir un pirate. On en reparlera dans une dizaine d'années. Vous avez l'air de vous amuser, capitaine. Tu ne veux pas manger un petit quelque chose, Luffy? Ok, mais ça sur ma note. Sur sa note? Et tu la paierais quand, ta note? Quand je serai devenu un grand pirate. Que j'aurai trouvé un trésor. Je réglerai mes dettes. Je te fais confiance, Luffy. Oh là là. Ah tiens, le voilà, lui. Salut la compagnie. Tiens donc, des pirates. Nous sommes les brigands des montagnes. Mais rassurez-vous, on n'est pas là pour piller votre bar. On veut juste une dizaine de tonneaux d'alcool. Désolé, j'ai bien peur de ne pas avoir assez d'alcool en réserve. Ah ouais? C'est bizarre, ça. Que boivent tous ces pirates? On est sincèrement désolé. On n'a pas vu qu'on buvait autant. Tiens, prends ça pour te consoler. Je ne l'ai pas encore ouvert. Pam! Dans la gueule! C'est bien, ils reprennent les vraies images de l'animé. Hé, hey, l'abruti! Pour qui tu me prends? Ma tête vaut 8 millions de berries. Oui, mais lui, c'est un yonkou. Ça m'a toujours fait marrer, ça, quand je revois le manga et qu'on voit à cette scène, le mec, moi, je vaux 8 millions de berries. Oui, mais lui, c'est un yonkou, mec. Il a fait partie de l'équipage de Cole Roger. Tu sais pas à qui t'as affaire. Enfin, il était peut-être pas yonkou à ce moment-là. Mais il va devenir yonkou. C'est drôle, putain. Alors, joue pas au plus malin avec moi. Si tu as pigé, fais gaffe la prochaine fois. À la prochaine, les mauviettes. Capitaine, est-ce que ça va? C'est bon, il n'y a pas de bobo. Mais c'est chiant que ce gitan. Tu devrais avoir ta tête, capitaine. Tu t'es fait ridiculiser en beauté. Mais pourquoi est-ce que vous voyez maintenant? Le fils qui se vénère. J'aurais honte à votre place. Bon sang, attendez, ordure. Regardez-moi ça, tu viens jouer avec nous, morveux. La fille, attends. Attends, il y a trop de voix différentes à faire et j'en ai pas 4 milliards de disponibles non plus. Hein. Ah, voilà donc le jeu qui commence en lui-même. Ah, donc on a Luffy, enfant, Shanks et Ben McMahon. Le combat a commencé, voyons les bases. Les personnages à l'avant sont tes alliés.
Les ceux de l'autre côté sont les ennemis, prêts à attaquer tes alliés. Touche un bouton pour lancer les attaques alliées. Touche ce bouton pour que Luffy attaque. Allez, vas-y, Luffy. Ben, allons-y, touche Luffy pour attaquer les ennemis. Jolie attaque, Luffy. Après qu'un allié... Après qu'un allié a attaqué, touche un autre personnage. Bien, essaye de me toucher. Boum. Allez, salut. Qu'est-ce qu'un combo? Super, on a un combo. Enchaîne les attaques pour créer des combos et booster les forces. Donc ça, voilà, je connais très bien le jeu quand même. Donc c'est tout con, hein. C'est quand il y a les baffes. Je sais plus c'est quoi qui est écrit exactement, mais quand ça part comme ça et au moment où ça revient au milieu, dès que c'est pile quand il en reste plus qu'un en fait, quand c'est tout est combiné, faut appuyer sur un autre personnage, du coup ça fait un combo parfait et ça fait encore plus de dégâts. Attends, je vais te montrer. Bah tiens, ils expliquent là, le swing là. Quand c'est au milieu. Voilà. Oh non, tu as touché trop tard. Si tu tardes trop, c'est raté, fais attention. Mais tu veux que je touche où? Ils m'ont pas laissé le donner des persos. Oui, j'ai compris. Hop, laissez-moi. Attends, j'étais en mode chercher une croix et tout pour cliquer. Mais non, mais... C'est un jeu Android, donc faut que je me rappelle qu'on peut juste appuyer. À ton tour, ouais. Bam. Et je veux mettre Bang Pan. Ah oui, t'es ça, merci. Voici nos nouveaux ennemis, touchez les personnages pour attaquer. Ouais, c'est ça, c'est bon, j'ai compris. Tac. Tac. Oui, c'est bon, quand tu es bien au centre, touche l'icône, je sais, laissez-moi jouer. Vous voyez qu'en haut à gauche, on a, comme dans Pokémon, en fait, le triangle des puissances. Donc en gros, les forts sont puissants contre ceux qui sont en dextérité, donc force est puissant contre dextérité, dextérité est puissance contre vitesse, et vitesse est puissant contre la dextérité. Et on a le physique et l'intelligence qui s'annulent tous les deux, enfin qui sont tous les deux aussi forts l'un contre l'autre. Donc c'est un peu dragon fait. Ah, pour l'essayer, oui, c'est bon, j'ai compris. Boum. Ce que Luffy est un gamin, il ne fait aucun dégât. Laissez Shanks et Ben Bang Bang attaquer. Laisse-moi. Allez. Shanks. Voilà. Tu as gagné des mérites. Bat ton ennemi pour s'en augmenter des objets et de l'argent. Ah, le boss. Voilà un boss. Attention, si tu le bats, c'est gagné. Tac. Bon, Luffy, tu puis un peu. Voilà. Et Ben Beckman. Wanted. Donc quand on récupère ça, voilà, bon, c'est une mise à prix. Et quand on récupère, en fait, ça veut dire qu'on récupère un personnage qu'on pourra utiliser dans notre équipe après. Yay! Ton niveau de pirate, PV élevé, a augmenté. Les niveaux augmentent la stamina, endurance et le coût maximal de l'équipe. Yay! Première victoire, une gemme arc-en-ciel. Yay! 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 Hop! Bon sang, on met les vols! Passez vite, abruti! Allez, attends un peu, Luffy! Qu'est-ce qui m'arrive? Le fruit du gomme-gomme que nous avons dérobé a disparu! Luffy, tu as mangé le fruit? Bah oui, je l'ai mangé au dessert! Sais-tu ce qu'est le fruit du gomme-gomme? C'est l'un des trésors des mers! C'est l'un des fruits du démon! Celui qui le mange devient un homme élastique! Et il ne peut plus jamais nager de sa vie! Hein? Qu'est-ce qu'il est con, le fils, n'empêche! Touche une carte, machin. De ce temps peuvent t'accompagner dans ton aventure. Demande-moi avec Beckman. Ouais, c'est Ben Beckman, c'est bien ce qui me semblait, oui. Hop. Sélectionné. Beckman qui est l'homme le plus intelligent de tout One Piece réuni, hein, il me semble. Et je crois que après ça doit être je crois que ça doit être Kuro et après c'est Nami, je crois, un truc dans ce genre. J'avais vu ça. Bah ok. Ba da 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 pao.
Ça commence à faire longtemps qu'ils sont partis en mer. Ils doivent te manquer, Luffy. Non, je ne leur ai pas encore pardonné leur réaction face aux brigands. Ah bon? Moi j'ai trouvé qu'ils ont été courageux de garder le sourire dans une telle situation. Tu ne peux pas comprendre, Makino. Nous les hommes, on peut pas toujours se défiler. C'est tellement sexiste. En effet, je ne peux pas comprendre. Oh là là. Sachant que y a une théorie qui dit que elle, c'est peut-être sa mère, mais bon, bref. Ouais, c'est vrai. Salut la compagnie. On était dans le coin, alors on pensait passer. Les pirates ne sont pas là aujourd'hui, c'est reposant. Les brigands de la montagne. Mais c'est le gamin de la dernière fois. Tu t'es pris une torgnole. La fille. Oh, oh, une minute. Oh, oh, une minute. Yeah. Tiens, tiens, les pirates traînaient encore dans ce village. Cette histoire ne te regarde pas, alors file avant qu'il ne soit trop tard. T'es sourd ou quoi? On t'a dit de ne pas t'approcher. Si tu dégaines ton arme, tu ferais mieux de t'en servir. Elle tellement... Cette phrase est tellement servie. Swag. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai juste que les armes, c'est dangereux. Mais normalement, il y a la bouboule, je sais pas du tout comment il s'appelle le mec qui passe son temps à bouffer, il arrive et paf! Dans la gueule! Je regarde avec l'heure qui est marquée en haut là, c'est pas du tout la même heure, il y a une heure de retard là. Ah mais vous la voyez pas vous? Ah bah oui, bah c'est bon alors. Le tour suivant commence quand tous les alliés ont attaqué ou quand que tu termines l'offensive. Va des ennemis, touche un personnage et attaque. Tac. Hop, Luffy, tu pues. Shanks, tu le défense. Non, même pas. Putain. Quand le nombre dessus d'un ennemi atteint 0, il attaque. Ah, j'avais oublié ça, c'est vrai. Tac, tac, tac. On va attaquer lui. Parce qu'il va attaquer au prochain tour. Yay! Ben Beckman, tellement stylé ce mec. Boom! Ah, dernier, on a récupéré un autre bien bon. Allez hop. Hey, mon cercle de bonus brille, je vais t'expliquer. Le cercle peut avoir un effet sur l'attaque de chaque personnage. Ça, c'est l'attribut psy de mien. Psy? Regarde, le cercle aussi de bonus, il est aussi sur psy. Ah oui, non, mais c'est pas la... Je crois que je vous ai dit, là, les... Là, c'est le psychisme, donc le mental contre l'intelligence. Là, je crois que c'est ça. Le cercle de bonus change à chaque tour, que le correspondant à l'attribut du personnage son attaque gagne en puissance. Et selon d'attaquer ses bandits. Hop. Je voulais continuer, moi. Donc à chaque tour, là, à chaque fois qu'on utilise, il y a ça tourne aléatoirement, ça prend. Les ennemis ont aussi des attributs attaque avec des attributs puissants pour faire plus de dégâts. Oui, là. Merde. Merde, on a passé le... Ça utilise Dex de... Hop, Strength. Tac. Et boum! Mais après, il y a le personnage du perso... La puissance du personnage en lui-même qui est très importante. Ouais, le chef de Marley, donne-lui une bonne leçon. Tiens. Il a fait aucun dégât, c'est de la triche. Le jeu est scripté, attention! Ah, il nous a HP commencé à baisser. Ouais, trop de script. Tac. Mettons là donc. Tac, voilà. Donc, quand là, il y en a un qui a de la viande comme ça, faut pas faire une attaque super bien. Sinon, la viande va trop loin et du coup, on peut pas la bouffer. Hop, tac, 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 tais-toi, merci. Hop. Il a encore un bouclier magique. Bah voilà. Voilà, là on fait du dégât. Mais minute, c'est la mauviette qui a commencé. Alors, grand Siguna. Ok, le mec qui se soigne. Wouh! On est tous en mode ultra puissant. Allez, meurs! Boum! Wouhou! On a buté Iguma! Bâtard! Plus tu te rapproches du timing imparfait, plus ton attaque sera puissante. Oh oui! Stamina maximum, tu n'es de 1 point! Yeah!
Bandit Bretter. Écoutez-moi bien, les brigands. Que vous m'aspergez d'alcool et de nourriture, que vous me crachiez à la figure, passe encore, mais il y a des limites. Et je ne tolérerai aucune manière que l'on maltraite l'un de mes amis. Alors, c'est le gamin qui est venu nous le provoquer. Je crois me souvenir que ta tête est mise à prix. Hop là. Arrête de fumer. Il faut pas les laisser filer. Attends, la fille. Non, incorrigible celui-là. Leur chef essaie de filer, attrape-les. Non, je veux. Eh, non, je veux. Non, je suis obligé. Putain, ils veulent vraiment que. Il y a le script qui nous dit qu'on peut rajouter des personnages pour qu'on puisse rajouter des personnages. Ils vont jamais nous laisser passer sinon. Et ils ont vu que du feu. Ils ne viendront jamais chercher un brigand en pleine mer. Doudoudoudoudou. Seigneur de la côte. Poursuivez Gouma. Utilisateur, pas ce coup spéciaux, ils sont très utiles. Il te faut de la force pour les utiliser, tu gagnes un point à chaque tour. Fais passer Luffy à 3 pour qu'il utilise son coup spécial. Yeah. Tchoum. Tchoum. Voilà. Tac. Un point coin. Voilà. Tac. Ça dégage. C'est trop facile. Le coup spécial de la fille. Boum. Pourquoi il a tapé le pingouin derrière? On s'en fout du pingouin derrière. Bim. Bim. Hop. Eh ben, voilà, comme ça qu'on fait. Tac, boum, boum, attention, boum, voilà. Et boum. Comme Gangpen, j'ai pas eu le temps de lire. Tac, et tac. Ah voilà, on va arriver contre le... Le monstre du Loch Ness, j'allais dire. Pas du tout. Le monstre de la baie. Hein? Ah! D'où sort ce monstre? Ouh! Ah, glou glou glou! Bon, on se court à l'aide! Oh, et ce type est costaud, prépare-toi! Mais c'est pas un type! Bam! Bam! Hop. Et bim. Et bim. Et bim. La rage de mon que je pense sa force. Je crois que c'est BAM. Hop. BAM. BAM. Et BAM. Oh, l'attaque spéciale de Shanks, vas-y. Fluide. Est-ce que pour dire que maintenant on a la preuve que Shanks avait déjà le haki à cette époque, qu'il possédait déjà le haki du roi? Est-ce qu'on peut le dire? Hein? Est-ce que ce jeu est fiable? Je n'ai aucune idée. En vrai, je sais pas si ce jeu est fiable. Mais là, rien que cette attaque, c'est... Rien que cette attaque là, c'est... C'est ultra révélateur, il y a plein de théories qui disaient que machin, si Shanks avait le haki à l'époque, ça voudrait dire qu'il aurait pu machin machin et tout. Et du coup, il y a plein de théories qui se confirment si ce jeu est viable. Quoi, maximum de 2 à 42 points. De 2 à 42 points? Non, de 2 points. Hop, maintenant on est à 42, ouais, c'est ça. Bon, deuxième première victoire, une gemme arc-en-ciel. Et on a un mec rouge.
Super. Bah. Shox disparaît. Il a tellement disparu qu'il est parti en fondu. Oh, c'est rigolo. Ah, putain. Je te suis reconnaissant, Luffy. Makino m'a tout raconté. C'est pour défendre notre honneur que tu t'es battu. Allons, sois un homme, arrête de pleurnicher. Oh putain, c'est... J'ai des frissons. Mais... Shox, ton bras. Un bras, ce n'est rien. Du moment que tu es en vie. Oh putain, les frissons qui remontent partout. C'est vrai que vous partez pour de bon. Nous avons mis du... Nous avons eu le temps, mais c'est le moment de faire nos adieux. Je ne te demanderai plus de m'en mener. J'ai essayé de devenir pirate pour moi. Et imaginez, si Shanks aurait dit oui, Luffy aurait été un putain de membre de l'équipage d'un Yonkou. Dès le début. Ça aurait été ouf. J'ai décidé de devenir pirate par moi-même. Tu crois vraiment que tu peux devenir pirate? C'était bonne blague. Bien sûr que je peux. Un jour, je réunirai un équipage aussi fort que le vôtre et je trouverai le plus précieux des trésors. Je demanderai le roi des pirates. Oh, tu seras donc plus fort que nous alors. Je vois. Tiens, je te confie mon chapeau. Hein? C'est que j'y tiens beaucoup. Je compte sur toi pour me le rendre. Lorsque tu seras devenu un fier pirate. Ah oh, putain. Ah oh, là c'est ouf. Ce petit ira loin. Eh oui. Putain. C'est sûr. J'étais exactement comme lui quand j'étais gamin. Levez l'ancre. L'orgue les voiles, on s'en va. Ah oh, putain. C'est au même moment, c'est au même endroit que commençait l'aventure de notre héros. Le fondu au noir, oh mon dieu. 10 ans plus tard. D'accord. 10 ans plus tard. Ta 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 ta. Ta. On les vient, on y va enfin. Touche le bouton équipe et préparons-nous. Hop. Équipe. Renforcée. Sélectionnez Luffy. Tac. La tortue. Renforcement. Et attention, Luffy qui va passer au skin suivant. Réussi. Level up. Level up. Level up. Level up. Luffy est passé au niveau 5. Bien joué, son niveau a augmenté, il devient plus fort. Tu vas me faire évoluer Luffy quand son niveau atteint le maximum. Touche le manteau équipe. Évoluer. Luffy. Évolution, il faut un pingouin rouge. C'est bon. Karizukuri, je suis Luffy au chapeau de paille. Super rare. Excellent, Luffy a évolué. Maintenant, cherchons des alliés pour ta prochaine aventure. Allons à la taverne pour trouver des alliés. Allez, taverne. Je te donne une gemme arc-en-ciel pour te montrer comment ça marche. Et c'est un recrutement rare. Une gemme égale un essai. Non, un essai égale 5 gemmes. Le recrutement rare rapporte toujours un allié de rareté 3 ou plus. Allez, recruter. Gomu Gomu no. Paul. Ah. Le gold. Mais non. Mais non, mais ils sont sérieux. Ils m'ont fini. Ils m'ont filé le supernova que j'aime le moins. Apu. Oh, Scratchman Apu. Oh, mais non, mais je le veux pas. Oh ouais, putain costaud hein, maintenant modifions ton équipe. Modifier équipe. Cette étape te permet de créer l'équipage de ton choix. Hop, avec ajouter des personnages, hop, hop ou. Mais à deux ça va être dur, je vais t'en ajouter d'autres. Tac tac tac. Donc là on est à 24 sur 42, il y a des aptitudes des capitaines, blablabla. Bla, bla, bla. Chaque capitaine a un truc différent. Et ces différents personnages comme capitaine et créer ton propre équipage en fait de leader le roi des pirates. Ouais c'est ça. Allez, laisse-moi. Laisse-moi. Ah. Voilà, on choisit notre nom.
nom de l'équipe, c'était Chapeau de Paille. Alors là, comment se rappeler? Soft. L'équipage des pirates soft. De soft pirates. Non. Mais soft. L'équipage de Geeky Soft. Hein. On va laisser ça comme ça. Non, mais comme ça, c'est clair, net et précis. Oh, ça sonne bien, ce nom sera bientôt célèbre. Ça, tu ne peux... Ça, tu ne crois pas si bien lire. Oui, non, mais... il a fini par prendre la mer. Il va me manquer. Les conditions sont idéales pour prendre la mer. Bon, il faut commencer par recruter un petit équipage. 10 hommes seraient un minimum. Voilà, hein. Pour tous ceux qui font chier avec de... Oh, il va recruter Jimbe et après il y a un autre et puis ça sera fini. Il a dit minimum. Non, en vrai, il dit au moins 10 personnes. Là, il s'est encore plus net, hein. Minimum. Ouais, donc ça veut dire qu'il va en avoir plus, hein. Donc arrêtez de vous faire chier. Allez, c'est parti. Je vais devenir le roi des pirates. Yeah. Ah, oui. Ça c'est trop bien. Allez. Le camp. Tous les 100 coups on a une gemme en plus. Une fois que je martyrise. Kobe l'officier, un jour je serai le mal de la marine. Pendant que ça t'allait charge. Ah, je martyrise ma souris. Faudrait que je mette une macro qui fasse que je martyrise à mort. Parce que j'ai en plus j'ai des macros sur mon clavier. Hein. Faudrait que je les règle. Il arrive dans un message dans ton menu ami. Allez. Parce que 500 gemmes égale un membre d'équipage ultra rare. Pièce chambre. Mais non, mais faut pas faire cette attraction sur les attaques, les gars. Ils sont sérieux là. Le fameux room chambers. Ils l'ont traduit par pièce chambre. Mais non. Ça va boire une coque. Rion pétrifiant. Bon, ça je veux bien que ça traduise. Mais le room chambers. Il est tellement stylé de l'eau. Attendez, je vais m'arrêter pile à 500. Voilà. Mais wow, cueil de faucon. Tu es comme une grenouille au fond de je sais pas quoi. Épée noire, sabordage. Voilà. Bon, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. 28 minutes de record. Je sais pas du tout combien ça va faire avec le montage où je coupe les moments de chargement. Du coup, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que cette série va vous plaire. Moi, j'adore ce jeu. Hein, Donc voilà. Donc tous les samedis, quand on peut pas faire du My Legend. Il y aura du One Piece Treasure Cruise. Allez, du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Treasure Cruise ou alors pour du My Legend One Piece. Allez, bye bye tout le monde. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate.